Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance, le message, comme vous le désirez, de ce jeudi. Eh bien jeudi, on est le 11 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, je me libère totalement de tout jugement, colère, culpabilité et totalement du passé. Aujourd'hui, j'ai pigé courage d'avancer. Pour certains d'entre vous, il est peut-être parfois difficile de suivre son intuition car elle ressemble à une route inconnue sur laquelle vous êtes souvent seul. Et l'intuition vous pousse, cette intuition. Vous savez, cette petite voix vous pousse à créer votre propre chemin de vie. Sans peur, pas de courage. Ayez le courage d'avancer en croyant, et bien en votre bonne étoile et sur votre chemin. Vous êtes accompagné. Vous êtes accompagné par vos proches, votre âme, vos guides spirituels, vos anges d'incarnation. Vous savez, l'univers, il vous soutient dans ce que vous entreprenez. N'en doutez pas. Ayez le courage d'avancer, demandez à votre ange gardien de vous aider dans ce que vous voulez avancer. Vous savez, comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Mais non. Soit je gagne, soit j'apprends. Tellement vrai, tellement vrai. Osez, osez vous aventurer hors des sentiers battus, sortir de votre zone de confort. Votre âme apprend et évolue à chaque expérience. Nous sommes ici, sur Terre, pour expérimenter. Nous tombons, ok. On n'a pas gagné, mais on a appris. Pour certains d'entre vous, est-ce que vous avez un projet ou une activité qui vous tient à cœur et que vous n'osez peut-être pas débuter? Avez-vous un projet de cœur ou alors un rêve qui vous pousse en avant, même si vous avez un peu peur? Et je vous demanderai d'être honnête et bienveillant avec vous-même. Vraiment. Vous savez, il est préférable de dire « je ne me sens pas prêt » ou « j'ai peur » que de plutôt de se voiler la face, n'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de vous. Alors, je vais vous demander de penser à ce projet ou cette activité et compléter la phrase suivante en ajoutant votre peur ou votre doute lié à la réussite de ce projet. Le début de la phrase: je peux avancer même si, et vous continuez la phrase. Je peux avancer même si, ta 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 ta, c'est à vous à terminer la phrase. Et pour le mantra de ce jour, eh bien,
j'ose avancer dans ma vie. J'ose avancer dans ma vie. J'ose avancer dans ma vie. Voyez le verre à moitié plein. Sortez de votre zone de confort. Vous en êtes capable. Ayez confiance en vous. Vous pouvez le faire. Très beau message de nouveau, n'est-ce pas? Allez, je termine avec l'oracle des amoureux. Et aujourd'hui, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Eh oui. Eh oui. C'est se soutenir. Et ne pas se séparer à la moindre chose. Eh bien voilà, un beau message aussi, n'est-ce pas, de l'oracle des amoureux, l'équilibre. Je vous souhaite une excellente journée, et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien, et moi je vous embrasse tout fort. Je vous dis à demain.